On connaît tous au moins un record du monde. Que ce soit un record du monde de vitesse, un record du monde de jeux vidéo, j'en passe, il y en a plein. Mais connaissez-vous les records du monde les plus pétés? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Ah, mais attendez, j'ai la régie dans l'oreillette. On me dit qu'on aurait un invité mystère aujourd'hui. Invité mystère? Oui. Invité mystère, vous a-t-on déjà vu dans le grand cinéma américain? Il est fort possible, mon cher Jolaté, c'est fort possible. Avez-vous joué à côté de grands acteurs tels que Brad Pitt, Leonardo DiCaprio? Il est vrai que j'ai déjà tourné avec Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan d'ailleurs. Est-ce que vous êtes dans le pro gaming? Avez-vous fait de l'e-sport? Il est vrai que j'ai gagné le dernier concours de Fortnite. Top 1, voilà, tous les Gotaga et tout, 45 kills, j'ai tué tout le monde dans la map. C'est bon, n'en dites pas plus. Est-ce que c'est Bouyakam? C'est tout à fait. Ouais, j'en étais sûr! S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements dans les commentaires! Dès que tu m'as dit, de toute façon, que t'avais joué dans de grands films aux côtés de Jackie Chan, Leonardo DiCaprio et tout ça, j'ai dit c'est obligé, c'est lui. Je suis allé me recueillir dans un temple, c'est vrai que ça fait 3-4 mois que vous m'avez plus vu de la circulation. Ouais, voilà. Là, t'es chaud. C'est vrai que Sofiane a fait un stage, un très long stage de ressourcement chez les moines bouddhistes. Donc il en sort tout juste, il est complètement purifié de la tête aux pieds, son âme est pure, il est sain de tous les côtés. Bien sûr, les gars, les filles, vous me faites péter la barre des likes. Sofiane, combien de likes on peut atteindre sur cette vidéo à ton avis? C'est toi aujourd'hui, c'est toi l'invité. 15 000. On compte sur vous, 15 000 likes. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'aller faire vos courses sur le petit H2A dans la description pour acheter vos jeux vidéo moins chers, bien entendu. Et record du monde numéro 1, on a Michel Santelia qui a déjà tapé à l'envers pas moins de 64 livres, ce qui nous faut total à plus de 3 millions de mots. À l'envers, Sofiane, tu te rends compte? 3 361 851 mots, quand même. Est-il besoin de préciser que Michel Santelia n'a pas d'amis? Je pense pas. Michel. Alors, on va forcément trouver quelque chose à propos de Michel qui a tapé. Ah non, mon gars. Moi, j'ai trouvé. Vas-y, fais voir la vidéo. Ah ouais, putain, c'est lui, Michel Santelia, mon gars. Putain, il est chaud, mon gars, Michel Santelia. Regarde tous les claviers qu'il a, gros. Je croyais que t'as écrit la Bible à l'envers, non? Il a écrit la Bible à l'envers. J'aime bien parce que tu sais, c'est le truc, le commentaire. Est-ce besoin de préciser que Michel n'a pas d'amis? 2002, c'est vraiment un record du monde, hein? Ouais, c'est un Italien. Ouais, franchement, vas-y, moi, je lui mets un like. Il a dû se faire chier, gros, mais... Ah non, ok, d'accord, il a tapé les mots à l'envers. Mais c'est un taré, mon gars. Ça va, chacun ses loisirs, hein. Ouais, chacun ses loisirs, hein. On ne va pas juger. Nous ne sommes pas là pour juger aujourd'hui. George Christen fait exploser une bouteille remplie d'eau chaude en 52... Ouais, c'est quoi ça? Attends, je refais. Ouais, et c'est pas une bouteille, c'est une bouillotte, hein. George Christen fait exploser une bouillotte. Putain, j'arrive pas à dire bouillotte. Bouillotte, gros. George Christen fait exploser une bouillotte, une putain de bouillotte remplie d'eau chaude. C'est magnifique. C'est un bon ou pas le mec ça? J'ai la vidéo, gros. Vas-y, moi je regarde 11 ans. La vidéo là. Et c'est un français en plus. Ah ouais. Eh mais gros, il va exploser. C'est pas la bouillotte qui va exploser, c'est lui. Regarde comme elle est rouge. Eh c'est costaud en vrai une bouillotte, hein. Ah bah ouais, gros. Oh, regarde ça. Moi déjà tu vois, rien que quand je gonfle un ballon de baudruche, j'ai peur qu'il me pète à la gueule. Mais alors une bouillotte, gros, ça fait le bruit d'un fusil de chasse. Oh. Ah ouais, il est balèze. Regarde. Très fort, bravo. Genre t'as réussi ta vie. Il a fait péter une bouillotte en moins de 52 secondes. Non, franchement, franchement GG. Ruben William déballe et mange 5 Ferrero Rocher en une minute. Alors ça, je suis désolé, mais ça c'est pas un record du monde, voilà. Sofiane. Non, ça c'est pas un record du monde. Moi je fais la même, hein. Ouais, voilà. 5 Ferrero Rocher en moins d'une minute, à l'aise. Ah, peut-être 5 paquets. Non, 5 Ferrero Rocher en une minute. Moi je suis sûr que j'en mange 6 en une minute, mon gars. Y'a pas son record? Non, y'a pas, bah c'est pas grave. Vas-y, tant pis, viens, on dit les quêtes. Y'a Mauno qui mange un Ferrero Rocher XXL. Il casse Mauno si tu le regardes. Salut de quatrième. Arulanatham Suresh Joachim se balance sur un pied pendant plus de 76 heures 40 minutes. Oh, on lui dit que non. Le Téléthon ça dure que 2 jours. Oh. Ah ouais, c'est chaud, mon gars. Il est balèze, hein. Ah, c'était c'était un hindou. C'est un hindou, mon gars. Les hindous, ils aiment bien ça. Oh non, il est en train de danser breakdance. Je l'ai dans le breakdance, toi. Ouais. Moi, je l'ai pas. Moi, j'ai que son record de breakdance. Fais voir, envoie son record de breakdance. C'est quoi ça? C'est pas lui. Moi j'aime bien le gars avec la casquette rouge, c'est lui Joaquin, je crois là. Ah ouais, tu crois c'est lui? Oh, comment il est chaud lui. Ah ouais, comment c'est pété. J'en avais trouvé un, il est pas dans le top 20 sur le site qu'on est là, mais attends.
C'était quoi déjà le record? La story, 7 jours enfermés dans un rocher. C'est un record du monde, mon gars. Hein. Voilà, regarde. Là, il fait ses adieux et tout. Et ils ont mis une musique de funérailles et tout. Je sais pas pourquoi. Comme s'il allait jamais revenir. Regarde ça, mon gars. Il y a des visiteurs et tout. 7 jours enfermés dans un rocher. 7 jours. Et genre, il a ses petites toilettes à l'intérieur et tout. Bah, il peut pas bouger, quoi. Mais il sort de là, mon gars. Mais le mec, il doit puer, mais de ouf, quoi. Il sortir la mort, en vrai. Il doit sentir, mais... Le défi de ce voyage. Le rat crevé, quoi. De voir son fils s'enfermer dans une pierre. Ah oui, c'est... J'ai envie de chialer, quoi. J'ai envie de chialer. Franchement, bien joué, monsieur. Ashrita Furman, New-Yorkais, bien con, porte sur sa tête une bouteille de lait pendant plus de 23h et 35 minutes. Sur plus de 130 km. Sa femme attend toujours le lait pour son croissant. Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Ah ouais, les pastèques, j'applaudis, moi, sont Sofiane. Violentes. Hein. Bravo. 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 Bravo, Ashrita Furman. Moi, je me serais déjà coupé en deux. Moi, je me serais coupé en 10. Un Chinois, Wei Shengshu, aurait décidé de s'implanter pas moins de 2009 aiguilles le 11 avril 2009 à Milan. Wei Shengshu. Oh. Il y a des images. Sérieux? On dirait le roi singe. Il n'y a pas de vidéo, mais les images, par contre. On dirait pas le roi singe. Mais c'est un ouf, mon gars. C'est un taré. Mais pourquoi il a fait ça, lui? Bah, qu'est-ce pas, qu'il a pris? Je sais que ça a des vertus de se rentrer des aiguilles comme ça. Ou je sais pas. Ouais, mais là, il est bourré de vertus, mon gars. Il a trop de vertus. J'adore cette photo juste en dessous. Autant, t'as des records du monde qui sont bien, tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais. Je vais pas dire des trucs utiles, mais des trucs bien, quoi, voilà. T'as l'homme le plus fort du monde, l'homme le plus rapide du monde. Ouais, voilà. Et t'as Ashrita Funman qui essaie de casser 80 œufs avec sa tête en une minute. Encore lui, c'est marqué. Et il aurait manifestement un cerveau de poule. À la fin, il est sonné, mon gars. Attends, franchement, je voudrais bien voir la vidéo. Tiens, elle est là. Je l'ai. Tu l'as? Ah, moi je l'ai. Ouais, les... je l'ai. Qu'est-ce qu'il est con. Tiens, on voit. J'aime bien la musique derrière. Ouais, j'adore la musique derrière. Elle va bien avec son record du monde, quoi, tu vois. Ah non, il attrape des œufs. Regarde, il attrape des œufs sans les casser, en fait. Mais c'est pourri, mon gars. Tout le monde le fait. Il prend ça à cœur, mon gars. Il joue sa vie, on dirait. Ah ouais. Regarde comment il est concentré, le mec. Sérieux, c'est quoi ces records du monde? Ça, j'imagine pas lui quand il doit souffler dans l'œil. Hein. Mais ça sert à quoi? Imagine ça toi. Sert à rien. Imagine-toi. Papa, j'ai une poussière dans l'œil. Lui, il t'envoie l'œil de l'autre côté. Il te fait sauter l'œil, mon vieux. Il est balèze, hein. Ouais. Il est surtout bien con, quoi. Ouais, effectivement. Oh putain, j'en ai un, Sofiane. Oh, celui-là, faut que je vois la vidéo. Faut la voir. En septembre 2007, Sofiane. Ça doit être un Chinois. The guy Yang a établi le record de 141 rotations en une minute, suspendu au plafond par une perceuse. Faut trouver la vidéo, moi je veux la voir. Ah, je le vois. Vas-y, on voit. En Allemagne, on a parfois des idées très légèrement bizarres. Ok. Alors. Ok. Vas-y, viens l'escabeau. Garde ça. Ok. Ah, c'est parti. Ah non, pas tout à fait. Ah si, c'est parti. Bienvenue. Il est dans cool, la tentative quoi. De record la plus barrée de la Terre. C'est pourri, mon gars. C'est pas un record du monde, ça. C'est un record du monde, si. Oui, c'est un record du monde. Tout le monde le fait, ça. Fallait quand même y penser. Bah franchement, moi je fais ça, mon gars, je dégueule. Hein. Je dégueule, mais je le fais. C'est le recordman lui-même qui fixe la vitesse de rotation. Bah oui, c'est une perceuse. Donc plus on appuie fort sur le bouton, plus ça tourne vite. Chouette musique. Ah ouais. Putain, ouais, franchement, il y en a, ils sont... Ah ouais, il y en a, ils sont bien cons. Hein. Ça doit être lui qui a le record. Lui, il doit avoir le record, le deuxième, là. Oh putain, mon gars, c'est des ouf! Regarde ça, il fait l'hélicoptère avec la perceuse et tout! On voit bien que le gars ne comprend plus rien à ce qui l'entoure. Hein. Ah ouais, il fait l'hélico lui! Ouais! Il fait l'hélicoptère, le mec! Bon, écoutez, les gens, il y a encore plein de records du monde complètement pétés qu'on pourrait passer en revue, mais là, on en est déjà passé pas mal et je pense qu'on en a assez vu pour cette vidéo, franchement. C'est surtout l'autre avec sa perceuse là qui m'a fait tourner ouais, la moi, tête. Moi, j'ai bien aimé, moi, la perceuse. Il m'a mis KO, franchement. Bon les potes, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo si ça vous a plu, ça ferait extrêmement plaisir. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à aller voir
les autres vidéos de la chaîne. Il y a des vidéos qui s'affichent là, vous pouvez vous abonner et tout, ça fait plaisir. On vous dit à bientôt et ciao tout le monde, bye bye. Salut, bye bye.